J'ai fait 5 ans à l'Estaca et j'ai été embauchée donc, à RAID directement après mon stage de fin d'études. Ils ont souhaité continuer sur la lancée, mais continuer aussi toutes les problématiques que j'avais vues durant le stage avec les mêmes clients. Pourquoi avoir choisi une startup? Effectivement, c'est une grande question. Moi, à l'Estaca, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de projets étudiants, donc ça m'a permis de prendre différentes places dans ces projets, soit en tant que membre, soit même à la direction de projet. Et j'ai pu me rendre compte que j'aimais beaucoup être dans des espaces un petit peu, en tout cas dans des groupes assez petits, avec beaucoup de dynamisme, aussi beaucoup d'adaptabilité. Donc j'ai préféré rentrer dans une startup qui me donne un grand panel de tâches plutôt qu'une grande entreprise où j'aurais été plus, je vais dire, lié à un rôle particulier. Et j'ai la chance aussi d'être mission manager en direct, qui ne me serait pas donné dans un grand groupe. Des super souvenirs à l'Estaca, ça en fait beaucoup. J'ai pas mal de stages, donc je peux retenir sur le stage de troisième année où j'étais sur le tarmac de l'aéroport quand on a reçu la patrouille de France, donc c'est assez sympathique. Ou alors mes stages de quatrième année faits dans le cadre de mon projet étudiant Polaris, où j'ai fait 5 mois au Costa Rica. Conseil pour les lycéens, je vais dire que c'est une école qui est très agréable pour travailler puisque c'est assez familial, il n'y a pas vraiment de compétition entre élèves, ce qui fait qu'on crée une vraie famille où tout le monde s'entraide, on a les projets associatifs, on reste vraiment dans nos passions. Pourquoi l'Estaca dans le spatial? Je vais dire il y a plusieurs raisons. Il y a le fait que les professeurs et en tout cas les référents de filière spatiale sont toujours très engagés pour modifier le programme, pour s'adapter aux nouvelles technologies, créer des filières pour l'exploration spatiale, pour rester dans l'attente de ce que le monde spatial veut pour ses employés, ce qui permet de garantir un très bon taux d'embauche.